s'est apparue dans la nuit. Le vent semble l'avoir glissé là par hasard. Comme un grain de beauté glissé dans l'œil, ça n'a aucun sens. Et dans cette grande ville intranquille aux arbres dégarnis, ça ne fait pas bon ménage. Néanmoins, les passants le remarquent naïvement, si bien qu'au milieu de l'après-midi, personne n'a encore donné l'alerte. Jusqu'à ce qu'un groupe de jeunes filles un peu bohèmes s'arrête et théorise sur cette esquisse sortie de nulle part. Un serpent? Une corne? Un symbole phallique? Les images fusent, mais rien ne leur paraît convaincant. Je sais maintenant quoi faire, quoi penser. Quoi faire, quoi penser. Je ne serre plus les doigts contre l'oreiller. On m'a dit la vie est triste. Moi aujourd'hui je m'invente coloriste. Peut-être que tu m'entendras. Les doigts pianotent contre le sol de la mansarde. Astrid ne peut pas arrêter la machine en cours. L'impression étrange, au réveil, que les murs de la chambre avancent les uns vers les autres. Des idées bizarres, du brouillard dans la tête, toujours ce brouillard, ce brouillard, ce brouillard, et des bruits de moteurs d'avion qui se collent contre les tympans. Astrid agrippe les papiers, les jette sur le sol, les serre contre sa poitrine et les envoie valser dans l'espace. Entrechoquer sa pensée contre le papier blanc en nourrissant le fol espoir de remplir la feuille au maximum. Elle respire, encore, encore, surtout ne pas réfléchir. Le son s'est installé dans ses crayons depuis quelque temps, alors elle en profite. Pour une fois qu'il y a du sens. Tout le monde le sait maintenant et la ville en parle de tous côtés. Une ombre à 10 doigts surgit la nuit pour recouvrir la grisaille citadine. Cette âme, cette ombre, a glissé partout des parcelles de dessins étranges. Personne ne s'accorde à dire que cela est beau. Non, ce serait déplacé. Leur présence est tout juste supportable pour la plupart des passants. Astrid claque la porte, se jette sur le sol, attrape ses crayons. La danse reprend. Saisir, tracer, concevoir, mettre en espace pour faire tanguer les couleurs. Sensation d'être seule à pouvoir inventer un nouveau langage. Au fond, c'est vrai, Astrid a toujours rêvé de parler une autre langue, mais elle n'a jamais été très douée. Il lui suffisait de la créer, parce qu'avec celle-ci, elle n'a pas besoin de chercher dans sa mémoire, pas besoin de technique ni de fioritures. L'inspiration frétille partout dans son corps. Des grenouilles dans l'estomac et des frissons qui courent le long de ses bras. Elle n'a même plus le temps d'ouvrir son éternelle boîte de sardines, ni de regarder l'émission de 21h40. Astrid a pris un congé maladie pour fuir l'odeur de la pizza tiède. Elle préfère celle de la peinture qui sèche. L'appartement est sans dessus dessous, mais ça n'a rien d'anormal. Astrid n'a jamais vraiment pris le temps de le ranger. Pourquoi faire ? Ici, il y a un peu de tout. Quelques DVD des années 80, des épluchures de carottes sous le tapis, et le robinet qui goûte sans pouvoir s'arrêter. Astrid est maintenant absorbée par ses couleurs jusqu'à ce que... La neige. Rien ne l'arrêtera. Il est 23h, Astrid repart en direction des murs de la ville. La ville a enfin compris. Les têtes, les langues et les pattes qui ornent la ville appartiennent à des chiens. On ne peut pas vraiment en distinguer la race ou même la taille tant les traits sont imprécis. Des queues de chiens s'enroulent autour des poteaux électriques. Des langues baveuses recouvrent les panneaux défense d'entrée et des pattes arrière se lancent dans une course endiablée le long des grillages. Ces parcelles de chiens se moquent ouvertement des défauts de la ville.
cette nouvelle achève de rendre les passants dubitatifs. Les dessins se seraient mis à envahir les rues s'ils avaient pu. Cela en devient presque inquiétant. Mais la ville est équipée d'une très bonne politique d'assainissement. Alors, tous les deux jours, les parcelles de chiens disparaissent. Durant des mois, cette bataille silencieuse entre Astrid et le maire continue. Mais les deux petites mains redoublent d'efforts pour évincer la municipalité. La ville s'épuise. Les nettoyeurs entament même une grève parce que, c'est vrai, ils sont payés une misère. Cette petite guerre pourrait devenir une éternité. Je voulais te faire exister un peu plus que sur le papier. Je regarde dans ma mémoire, je vois plus que sur le papier. Je regarde ma chambre bien noire et je vois toutes nos histoires. Finalement, elle ne sait pas grand-chose d'elle. Elle n'a pas vraiment réfléchi. Elle n'a jamais bien su faire ça non plus. Mais elle a pensé au seul bon souvenir qu'elle avait avec elle. Elle, du haut de ses 4 ans, des crayons de couleur à la main, dessinant des chiens sur les murs de sa chambre. Puis des cris effacés par un immense sourire. Un sourire du quotidien. La justesse même. Ses dessins imprécis, ses chiens grossiers, ses esquisses mal formulées, ses traits qui se mélangent, un brouillard pour sa sœur, des milliards d'esquisses envoyées droit vers elle.